Et oui, mais comme d'habitude, maintenant ça fait 15 ans, je pense que les Liégeois en sont habitués. C'est le grand rendez-vous de l'opéra en plein air, ici dans la cour du Palais des Princes-Évêques. Ce sera le 16, 17 et 18 août avec les Contes d'Hoffmann au programme cet été. Alors les Contes d'Hoffmann, ça retrace quoi exactement ? Oh, les Contes d'Hoffmann, c'est une magnifique histoire. D'abord, c'est Offenbach, et donc ça signifie tout de suite beaucoup de drôlerie, beaucoup d'amusement, beaucoup d'air très très entraînant, et donc un spectacle que nous allons proposer, qui est un vrai petit bijou, mais très juvénile, très nature, avec une équipe de production assez incroyable, puisque c'est Julie Depardieu et Stéphane Druyet qui ont orchestré la mise en scène et qui ont eu le bon goût de bien bien s'entourer avec des gens comme Franck Sorbier au costume. C'est un grand créateur français, grand costumier. Les costumes sont tout simplement des petits bijoux, avec Guy-Claude François au décor. Et puis toute une équipe, quasiment 100% belge, sur le plateau, avec forcément un orchestre, des chœurs et une distribution de jeunes chanteurs belges. Quasiment, il y a un Français. Le reste des chanteurs sont belges. On en est très, très heureux, puisque c'est aussi un des objectifs de cet opéra chaque année, c'est d'être un petit peu tremplin artistique pour notre nouvelle génération de chanteurs lyriques. Les spectacles tout public à partir de quel âge ? Je pense que c'est évidemment très difficile de convaincre que ce soit même d'ailleurs les parents, mais les plus petits, de venir à l'opéra. Et pourtant, je pense qu'à partir de 7 ans, on peut apprécier la musique classique. On peut peut-être pas tout comprendre, mais on peut apprécier la musique classique, se laisser bercer et s'intéresser petit à petit à la musique lyrique. Donc je pense que c'est un spectacle de 7 à 77 ans, c'est évident. Maintenant aussi, pour nous, très important, c'est de pouvoir aussi offrir ce spectacle à tous. Et dans ce contexte-là, encore cette année, la première représentation, l'avant-première, le 16 août, sera offerte aux défavorisés grâce à des associations comme Article 27, comme le CPAS et autres. C'était important pour nous de pouvoir offrir ce spectacle à des gens qui n'ont malheureusement pas l'accès, les moyens d'accès à la culture. Comme chaque année, un clin d'œil à la Loterie Nationale aussi. Et oui, c'est grâce à la Loterie Nationale qui soutient l'opération et qui soutient en particulier cette opération qui nous permet d'accueillir quand même 2000 personnes chaque année à découvrir l'opéra. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'inscrire ? Alors pour s'inscrire à cette soirée, il faut passer par les associations comme le CPAS ou comme Article 27 par exemple. Il y en a plein d'autres encore, elles sont sur le site internet. Et puis après, pour les gens qui souhaitent assister vraiment là au spectacle en tant que tel, en tant que spectateur payant évidemment, mais c'est important aussi d'avoir des spectateurs payants puisque c'est comme ça que le spectacle peut se faire évidemment. C'est le 17 et 18 août à 21h. Les préventes sont ouvertes sur les pages Facebook, sur les sites internet, par téléphone évidemment, tout est possible aujourd'hui, imaginable, pour avoir son ticket. On est assez rassuré, ça fait 10 ans qu'on est complet à Liège, donc on espère que les Contes d'Hoffmann séduiront le public liégeois et qu'ils seront encore au rendez-vous cette année. Des instruments. Il y aura 40 magnifiques musiciens. Mais oui, il y a des musiciens, il y a des chanteurs, il y a des danseurs, il y a des choristes. C'est un spectacle très vivant qui dure à peine 2 heures, donc c'est ça, non, 2 heures. Ouais. Donc à l'air libre, devant des endroits absolument magnifiques. On ne peut pas perdre une soirée comme ça. On n'a pas le droit. En fait, les chanteurs, à l'époque, il y a très longtemps, ne faisaient que chanter sur le plateau. C'est-à-dire qu'ils se mettaient devant le plateau, ils ouvraient grand les bras, ils ne bougeaient pas, ils chantaient pour montrer leur organe, leur voix. Depuis quelque temps, les chanteurs ont envie de jouer la comédie, ont envie d'interpréter des personnages. Que ce soit pas seulement quelque chose de vocal, mais quelque chose de profond. Que ce soit dans l'émotion, dans le rire, dans la drôlerie, dans le dramatique, le comique. Donc ils ont envie de raconter une histoire. Ouais. Alors l'histoire, c'est l'histoire d'un poète qui s'appelle Hoffmann, qui est un poète ivre d'amour et d'alcool, comme tous les poètes à l'époque, et qui a des délires et des désirs amoureux. C'est-à-dire qu'il s'imagine, il rêve ou pas, ça c'est au public de le dire après, c'est un rêve ou pas, en disant voilà, c'est cette femme que j'aime. Il arrive sur une première femme qui est en fait une poupée mécanique, il ne le savait pas. La seconde femme est une femme malade et romantique. La troisième femme est une courtisane à Venise. Qui le rend totalement jaloux. Donc à chaque fois, ce sont trois ambiances totalement différentes, donc des changements de tableau totalement différents. Donc on a un spectacle total, complet. Voilà. Et Sophie, qui a fait toutes les chorégraphies, les danses, raconte.
Donc moi, j'ai essayé de travailler avec les chœurs en les mélangeant aux danseurs de façon à ce qu'on ne puisse pas dire qui est choriste et qui est danseur. C'est-à-dire que chaque personne sur le plateau a quelque chose à faire et n'est pas juste là plantée comme une statue. Combien de personnes ? Il y a 30 chœurs et 6 danseurs, plus 8 solistes, même plus que ça. 10 solistes. Hein. 10 solistes. En question avec Julie Depardieu, comment ça s'est passé, votre rencontre et le travail ? Ça s'est très très bien passé. On a donc créé ce spectacle il y a 4 ans en France. On s'est rencontrés parce que moi je faisais des mises en scène d'Offenbach déjà. Elle est venue en tant que public, elle adorait mon travail. Quand on lui a proposé de faire les opéras en plein air en tant que metteur en scène, elle a dit oui d'accord, mais pas toute seule. Je vais m'entourer de gens qui ont déjà fait la mise en scène. Et du coup, moi j'ai dit à Julie, ok, mais je voudrais te présenter quelqu'un qui s'appelle Sophie Tellier, qui est une chorégraphe avec qui je rêve de travailler depuis très longtemps. Et donc on s'est entendus super bien tous les trois, très très vite, et on a fait un travail assez rapide avec un plaisir incroyable, où on se marrait, où on travaillait sérieusement, mais tout en se marrant, ce qui est notre principe à nous, voilà, le plaisir. Et ça se ressent sur scène, vous verrez quand vous verrez le spectacle. Bonne ambiance, bon enfant. Oui, parce qu'en fait, je pense que c'est en travaillant dans la bonne humeur qu'on va donner du bonheur après aux gens qui viennent voir le spectacle.